écoute mon amant, l'air que ce mendiant chante dans la rue. Si sur cet air vois-tu que tu m'es apparu, c'était au bal musette, mon allure honnête t'avait plu, je crois. Tu t'es avancé vers moi. Tu m'as dit, voulez-vous danser? J'ai dit oui, presque sans y penser. Bien respect. Adjudant-chef, je suis bien content de vous revoir. De même. Vous allez bien? Très bien. Ouais. Ah, la voix un peu. Hein. Ouais. Parfait. Comme prévu, je viens pour inspecter la casemate. Fix! Bonjour messieurs, repos. Ah, voilà donc les fameux jumelages de mitrailleuses Rebel. Ouais. Très bien. Qui est le chef de pièce? C'est moi-même, caporal-chef Loire. Vous êtes en alerte? Oui. N'oubliez pas. L'ennemi est proche. L'ennemi est proche, faites votre devoir. Je compte sur vous. Ah, et voilà donc la deuxième pièce de mitrailleuse. Quel chef de pièce? C'est moi-même, mon lieutenant. Caporal Jost. C'est votre pourvoyeur habituel? Le soldat première classe Fousse. Parfait. Vous aussi, vous êtes d'alerte? Depuis plus de 6 heures maintenant. 6 heures, c'est un temps considérable. Mais ce sont les ordres, c'est comme ça. Ce sont les ordres. Ah, messieurs. Bonjour, mon lieutenant. C'est la cuisine ici? C'est la cuisine de la compagnie. Ouais. Ah, la cuisine. C'est toujours important d'avoir une cuisine. Qu'y a-t-il au menu? La potée au chou, mon lieutenant. Ah, j'aime la potée au chou. Et je vois que ça bosse dur. Le repas est prévu pour quelle heure? Pour d'ici une heure et demie. D'ici une bonne heure, une heure et demie, parfait. Bon, il faudra me faire goûter, hein, parce que moi, ça me met tout de suite l'eau à la bouche. Ce ne sera pas pour tout de suite. Ah ben, il faudra. Pas de problème, mon lieutenant. Parfait. Ici poste 687, recevez message de service. Ici poste 596. Patrouille sur B203, vous notez B203. Bien reçu. Bonsoir lieutenant. Mon lieutenant. Vous allez bien? Très bien lieutenant. La 3e section du 91e régiment d'infanterie est dispersée sur cette ligne de tranchée. Le premier groupe, vous avez dû le croiser en venant, oui. Se situe ici. Le deuxième groupe est un peu plus loin et le troisième groupe est parti en opération sur les lignes ennemies afin de faire quelques prisonniers. Nous avons maintenu nos positions de FM-24-29, mon lieutenant, afin qu'elles soient constamment occupées. Très bien, très bien. Beaucoup de tireurs sont en alerte en plus. Alors, t'as vu quelque chose? Négatif. Y'a rien qui bouge? Rien du tout. Bon, tiens bon, la relève va arriver. Reçu. Bon, venez mon lieutenant, je vais vous montrer mon PC d'infanterie. Je me suis aménagé un petit bloc. C'est quelque peu spartiate, mais relativement confortable tout de même. Parfait, on va aller voir ça, lieutenant. Je vous suis. Comme vous voyez, mon lieutenant, je suis quelque peu installé. Alors, on n'a pas encore reçu les mitrailleuses réglementaires, mais en attendant d'avoir les Hotchkiss, je me suis aménagé un petit nid douillet. C'est quand même plus confortable que la tranchée. Et en plus, avec tout ce béton, vous êtes à l'abri d'un coup dur. Tout à fait. Parfait. Mais écoutez, je retourne à mon poste satisfait de voir la puissance de votre position. Merci, mon lieutenant. Et je n'oublie pas que le 91e protège très bien nos intervalles. Ils seront très bien tenus. Ok. Je vous laisse là, lieutenant. Bonne continuation. Le devoir avant tout. On reste en contact. Et liaison lieutenant. Dès demain matin. Bien entendu, mon lieutenant. Allez, au revoir, mon vieux. À bientôt. Au revoir, mon lieutenant. Ici poste 596. Ici poste 487. Recevez message de service. Alimentation générale coupée, mettez groupe électrogène en service. Alimentation générale coupée, mettez groupe électrogène en service.
Bon, lieutenant ? On met l'abri en état d'alerte. Mettez le moteur en route. Oui, mince ! Dépêchez-vous, on a un blessé. On a un blessé, dépêchez-vous, repêchez. Appelez l'infirmier. Allez, allez mon gars. On a un blessé, mon lieutenant. Allez mon gars, reste là, je vais te chercher l'infirmier tout de suite. J'espère que mon ordonnance a été prise en charge. Oui, tout à fait, il est à l'infirmerie en ce moment, on s'occupe de lui. Sa blessure était assez conséquente, je m'inquiète beaucoup. Relativement, oui. Je pensais pas qu'il se retrouverait sous le feu de l'ennemi. Nous non plus. Bon, par rapport à la situation dans votre PC, qu'est-ce qu'on voit ? Nous sommes ici, et c'est ici qu'a été touchée votre ordonnance. Alors, on peut imaginer les positions allemandes dans le secteur là. C'est le secteur qui est ici, oui, entre Oblin et Ferrange. Bon, c'est tout ce bois hein, qu'on trouve là, au sud du Michelsberg, grosso modo. Oui, tout à fait. Je veux que des patrouilles soient menées sur les arrières. Je pense vraiment que l'ennemi s'y trouve.